Ils ont été un exemple emblématique d'une tradition française, les couples composés d'un homme politique et d'une femme journaliste. Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar ont fait beaucoup parler d'eux lorsque leur relation a été rendue publique. Mais si est surtout leur rupture, en novembre 2012, qui aura marqué les esprits, enflammant Twitter d'une nouvelle blague, le hashtag j'annonçais à l'AFP. Car si est auprès de l'agence France Presse qu'Audrey Pulvar, qui fête ses 51 ans ce 21 février, a officialisé, par un SMS, sa rupture avec le ministre en poste. Cette officialisation de sa rupture surprend par son mélange des genres. Dans une époque où la politique française joue la carte de la présidence normale, cette manière de faire étalage de l'état de ses relations amoureuses évoque davantage une attitude de star. Les internautes s'étonnent de surcroît auprès de la très sérieuse AFP se fasse ainsi l'écho de la nouvelle. Avec le hashtag j'annonçais à l'AFP, ils s'amusent ainsi à officialiser les informations les plus anecdotiques de leur vie personnelle. Julie Gayet, Elsa Silberstein. Quand les stars sont en couple avec des politiques Audrey Pulvar, le coup de sa relation avec Arnaud Montebourg, cette surprenante annonce officielle a pourtant un sens caché. Dans son SMS à l'AFP, Audrey Pulvar prévient qu'elle poursuivra en justice toute personne qui attentera à sa vie privée au sujet de cette rupture. Mais celle qui est alors encore journaliste adresse également un message à ses anciens employeurs. Car sa relation avec Arnaud Montebourg lui a coûté plusieurs postes. À l'époque de cette rupture, Arnaud Montebourg est ministre du redressement productif dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande. Suite à la prise de poste de son compagnon, Audrey Pulvar est écartée des antennes de France 2, France Inter et iTélé, en raison du risque de conflit d'intérêts. En officialisant ainsi sa rupture, la journaliste envoyait donc un message clair : je ne suis plus en couple avec le ministre, je peux revenir à la télévision et à la radio. Crédit photo, MPP.